Le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 42, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler sur les trois clés du développement. D'une nation. La nation qui est une famille. Une famille qui est qui est la cellule de base. Le développement. Hier, j'ai beaucoup aimé, donc c'était avant-hier. Pendant que je suivais l'information, j'étais en train de dormir. Du coup, je vois apparaître à la télé le premier président de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation. Il a dit des choses, je ne sais pas si vous l'avez su. J'avais beaucoup aimé parce que il a rappelé aux gens que la justice, seule la justice peut élever une nation. Et il est en train de fustiger les comportements de certains magistrats et juges. J'ai beaucoup aimé parce que dans les trois clés, nous avions parlé sur la première clé qui est la justice. La Bible dit, la justice est l'équité sans la base du projet de Dieu. Ce qui manque aux Africains, c'est le décollage. C'est tout simplement à cause de la justice. Ce qui manque ton décollage, c'est tout simplement parce que tu n'es pas juste. Alléluia. Amen. Il faut être juste. Mais être aussi équitable. Voilà la première clé. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur la deuxième clé qui est la sagesse. Et c'est nous pouvons retenir la sagesse. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la sagesse? La sagesse, c'est le discernement parfait entre le bien et le mal. Le discernement parfait entre le bien et le mal. Voilà, lorsque vous manquez la sagesse, il vous sera difficile de tenir même la maison dans laquelle vous êtes roi, de tenir une famille dans laquelle vous êtes le patron. Alléluia. Amen. La justice, la sagesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sage? Les combats d'aujourd'hui, c'est un combat sanga. Il y a voisin dans un après parce que c'est un combat sanglant. Et non, on a dit que c'est le nom de Bobina, la banda.
Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Les gens viennent à l'église. Mais les gens se marient. Mais comment? Ils viennent prier. Mais rien ne change dans leur vie. Les gens disent que le Congo, c'est un pays chrétien. Mais on ne sent pas les christianismes au Congo. C'est juste un slogan. Amen. C'est juste un nom. Nous sommes des chrétiens. Nous prions Dieu. Nous allons à l'église. Alléluia. Amen. Quand vous regardez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que, commençant par l'histoire de Dieu avec Abraham, jusqu'au livre d'Apocalypse, Dieu a fait des merveilles. Quand vous voyez Abraham, il a quitté son pays, sa patrie, il a écouté la voix de Dieu, il a tout abandonné et Dieu l'a fortement béni. Dieu a béni son fils Isaac, Dieu a béni Jacob, Dieu a béni les 12 tribus d'Israël. Donc même lorsque vous êtes dans le Nouveau Testament, vous verrez que Dieu, dans la première église, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents, parce qu'ils mettaient tous ensemble. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu a travaillé avec des gens tout au long des âges. Mais ici au Congo, nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais nos familles, on ne sent pas que réellement nous sommes. On ne sent pas que réellement on est pasteur. On ne sent pas réellement qu'on est tel. Voilà moi. Je me suis donné la peine. Lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu, j'étais en train de me révéler certaines choses. Il m'a parlé sur les trois clés. Vous ne verrez jamais le développement dans votre pays. Moi encore dans une famille. Sans la justice. Sinon Dieu s'est contre lui. Quelqu'un m'entend? Sinon Dieu s'est contre lui. Quand Dieu dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve. Il est en train de parler des dîmes. Dieu, cette ordonnance ne concerne pas seulement les chrétiens. Concerne tous les humains. Alléluia. Concerne tous les humains. Les chrétiens, tout comme les païens. Quand vous amenez votre dîme, sachez que vous êtes éligible à la bénédiction. Et Dieu va ouvrir les écluses de ciel. Voilà pourquoi les païens, tous les pays anglophones, vous verrez même des païens, des gens qui ne sont pas des pays. Il y a des ordonnances qui concernent toute la terre. Et des ordonnances aussi qui concernent une partie des gens, une partie des croyants. Ça, c'est plus lié au salut. Mais ce qui est lié au matériel, à l'élévation, cette ordonnance concerne toute la terre. Quand Dieu dit que la justice et l'équité sont la base du droit, ça veut dire que même en France, là où il y a la franc-maçonnerie, s'il y a une bonne justice, sache que Dieu sera leur droit, mais pas leur Dieu. Il sera leur roi, mais il ne sera pas leur Dieu. Je vais vous donner la différence. Si quelqu'un peut me dire amen. Dans votre maison, dans votre foyer, qui est roi? Qui conduit la maison? Qui est au-dessus de votre foyer? Quel est le trône qui est élevé dans votre maison? Il existe deux trônes. Le trône de Dieu et le trône aussi du diable. Amen. Si Dieu n'est pas votre roi, sachez que vous avez comme roi qui? Le diable. Mais sans le savoir. Voilà pourquoi même il y a des chrétiens qui viennent à l'église, ils adorent le diable sans le savoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça la vérité. La justice, c'est l'équité. Et nous sommes dans la sagesse. Le foyer, le mariage est fondé sur quel? Sous le mensonge,
Nous sommes maintenant dans l'entretien entre Jésus et Nicodème. C'est cet entretien qui va nous donner la voie de sortie. Nous sommes dans le livre de... En fait, nous sommes dans le livre de Jean 3. L'histoire de Nicodème et Jésus. Nous sommes dans le livre Jean chapitre 3. Le premier verset que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais, il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des juifs, qui vient lui auprès de Jésus de lui et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur, fils de Dieu, car personne ne peut faire des miracle que tu fais. Merci, prophète. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi? Nous pouvons acclamer très fort le roi. Gloire au Seigneur. Amen. 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 On nous parle de Nicodème. Qui était aussi un docteur de la parole. Quelqu'un qui connaissait très bien la Torah. Quelqu'un qui observait à la lettre la loi de Moïse. Mais il était troublé. Dans la chanson de Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Il y a quelque part où on dit ses paroles sont troublantes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ses paroles sont troublantes. Cet homme était troublé. Il voyait les miracles. Il dit, mais si j'y vais dans la journée, les gens risquent de me voir, ils vont me critiquer du fait que je suis le docteur de la loi. Parce que c'est un pharisien. Il a dit, j'irai me voir la nuit. Je vais m'entretenir avec lui. En secret. Amen. Je vais m'entretenir avec lui en secret. Vous savez, pour qu'un pharisien et un docteur en plus puisse décider d'aller rencontrer Jésus-Christ en secret. Ah, c'est qu'il était réellement troublé. Il était réellement troublé. Il voyait des miracles. Il dit, mais même auparavant, on n'a jamais vu de tels miracles. On n'a jamais vu une telle sagesse dans cet homme. Les prophètes ont parlé avant lui, mais jamais comme cet homme. Les prophètes ont prophétisé, mais jamais comme cet homme. Les pasteurs ont parlé, les rois ont parlé, mais jamais comme cet homme. Il était tellement troublé. Il a dit, je le vois la nuit en secret. En secret. Il connaissait bien la parole. Il a regardé l'histoire d'Abraham. Il a dit à Abraham, oui, je connais Abraham. Il est le père de la foi. Voilà ce qu'Abraham a fait. Je connais bien son fils Isaac, le fils de la promesse. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a fait. Je connais bien Jacob. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a fait. Je connais tous les prophètes de l'Ancien Testament. Esaïe marchait tous ces temps-là. Mais jamais comme cet homme. Personne n'a parlé comme cet homme. Je connais Salomon. La santé de Salomon. Amen. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La reine de midi est allée écouter la sagesse de Salomon. Mais Nicodème est allé voir la sagesse. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Amen. Ma prière ce matin, il y a parmi nous quelqu'un qui peut voir la sagesse. Oh, mon Dieu, et nous montons la sagesse. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Il va la nuit. Il était tellement troublé. Et sur
L'histoire de Salomon. L'histoire de Salomon. Il a dit cet homme. Un jour, Dieu lui pose la question. Quel veux-tu que je fasse pour toi? Il a demandé la sagesse. Nous savons que cet homme, c'était l'homme le plus sage de la planète. Mais il a été détrôné par une personne simple qui n'a même pas la royauté terrestre. Lui, il était grand roi en Israël avec une sagesse. Mais l'autre qui est arrivé, qui n'est pas roi, qui n'a pas une grande famille. D'ailleurs, où est-ce qu'il était né? Dans quelle maternité? Dans une bergerie. À côté des moutons. À côté des vaches. Donc il a compris que la grandeur de cet homme ne se cache pas dans la grandeur, mais se cache dans la simplicité. Dans les formes et dans les vides. Dans les formes et dans les vides, qui pouvait croire que derrière cette bergerie s'est caché le créateur de toute la planète? Qui pouvait croire derrière cette bergerie s'est caché même le créateur lui-même? C'est lui qui a créé les maternités, qui a créé les ciments, les blocs, tout ça. Mais il est né dans une bergerie à côté des moutons et des vaches. Est-ce que tu peux me dire amen? Dis-moi amen. Dis à ton voisin, Dieu ne commence jamais son œuvre dans la perfection. Il commence toujours dans l'effort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore dans l'effort mais dans le vide? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est dans l'effort mais dans le vide? J'ai un message à te donner. Écoute ce que Dieu dit à Jérémie. Toi, Jérémie, toi qui es dans l'effort mais dans le vide, mais moi, Dieu, je te connaissais avant que tu sois formé dans le vent de ta mère. Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà établi et consacré prophète. Si j'étais là, je vais poser la question au Seigneur. Avant qu'il ne soit formé, toi tu l'avais déjà établi. Là j'ai compris. Bien aimé, attention avec la prédestination. Attention avec la prédestination. Amen. Ton voisin là, peut-être c'est lui. Ta voisine là, peut-être c'est elle. Un jour, Maman Denise est allée dans une église. À quelle église y a-t-il? Prier le matin. Et puis le soir, elle est devenue première dame. Elle est allée dans une église comme une simple maman. Elle a prié comme tout le monde. Mais la nuit, l'histoire a changé. Dis à ton voisin que l'histoire peut changer même cette nuit. La nuit, l'histoire a changé. On a proclamé son mari président de la République. Écoutez, une minute avant, on appelait Maman Denise. Une minute après, le nom change, on appelle première dame. Moi, c'est Yako. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer deux fois le roi de l'eau? Dis à ton voisin, tout est possible. Dieu peut changer ton identité même après ce que tu as. Dans la zone de la Bible,
$100 Le ministre a besoin de quelles sont tes ambitions, Kabi? Quelles sont tes ambitions? Bien aimé. Yoga français, ambition. Gros mot. Moi j'étais des passages, hein, c'était juste pour vous saluer. Oui, oui, mais quelles sont tes ambitions? Moi, t'es l'un d'imi, mais ma bande, je suis aux amis. Abi dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi mon conseiller financier. Vous allez vivre des surprises. Moi, je n'ai jamais été demandeur d'un emploi. Je n'avais même pas ça en tête. Mais il me dit, même sans ta volonté, sans ton volonté, c'est toi. Changer. Alléluia. Démarche est changée. Alléluia. Amen. Jésus Amen. Est vivant. Amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Ah, voici l'homme, amen. Est-ce que tu peux la amen. Dis à ton voisin, tout est possible. Yon se coquille qu'au le mât. Tout est bon. Yon se coquille qu'au le mât. Écoute, bien aimé. Yon comme une Nicodème. Nicodème. Lorsqu'il arrive. Vous voyez, je me mets à la place de cet homme. Mais puisqu'il était troublé, il est devenu petit. À combien mon cœur? Par rapport à la personne qui était en face de lui. Il est devenu petit. À combien tu mon cœur? Il a dit, je connais bien la parole. Je connais bien la loi. Je connais l'histoire de Dieu. Je sais combien Dieu avait opéré des signes et des prodiges avec nos pères. Personne ne veut faire des
sans Dieu, personne, mon côté, lui-même. Mais quand il dit à l'autre que je sais que tu es un docteur venu de la part de Dieu, alors lui, qui est de sa place? Où est sa place? Amen. Il a été détrôné. Il a été dégradé. Alors quand tu es en face d'un docteur, tu reconnais qu'il est docteur. Toi, tu es qui tu es patient. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Il a reconnu que cet homme était un docteur venu de la part de Dieu. Donc lui, c'était le patient. Il est allé chercher des docteurs pour qu'il soit guéri. Est-ce qu'il y a un patient aujourd'hui? Il y a besoin de vivre la puissance de Saint-Esprit afin de recevoir des miracles humains. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si elle n'est née de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a un Jésus dans la Bible, c'est souvent. Il y a un enfant de la Bible. Amen. Regardez un peu les paroles troublantes. Lui va voir Jésus-Christ par rapport au miracle. Mais Jésus-Christ écoutait la réponse de Jésus. Il lui répondit, si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si moi j'étais là, j'avais posé la question, papa, par rapport au royaume des cieux, où tu vas? Redis-moi, Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Je suis en train d'arriver. Est-ce que tu peux me dire Amen? Dis-moi Amen très fort. Amen. Si et non, mais n'est pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je suis en train. Comment il peut me troubler comme ça? Alléluia. Lui qui était déjà troublé, Dieu a troublé son trouble. Amen, amen. Dieu a troublé son trouble. Il est devenu encore plus confus qu'avant. Je pensais que tu allais me communiquer quelque chose pour que moi aussi je sois un faiseur de miracles. Moi je pensais que tu allais me parler des choses pour me permettre aussi demain d'être un peu. Alors que tu me parles du royaume des cieux. C'est-à-dire, d'abord, sur le plan miracle, il ne maîtrise pas. Les notions de miracle, il ne maîtrise pas. Maintenant, ici, Jésus-Christ va rajouter les notions du royaume. Si un homme n'est pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Amen. Mais c'est facile. Nous, on nous prêche, nous lisons. C'est-à-dire, quand nous lisons, parfois, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre, on peut venir à l'église, on écoute la parole de Dieu, et puis la parole elle-même va interpréter les écritures. Mais imaginez cet homme, pour sa toute première fois, il entend cette parole. Tout le monde voit ça. Mets-toi à la place de Nicodème. Malanimos. Ça n'a jamais existé, cette parole. Si un homme n'est pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Dis-moi, comment un homme peut-il naître quand il est encore vieux? Parce que lui-même a dit que c'était impossible. Lui connaissait seulement une seule naissance. Amen. Il y a la naissance et la mort. Alors comment moi je suis déjà âgé? Mais Jésus-Christ me demande de moi là de naître encore de nouveau pour voir le royaume des cieux. Mais c'est quoi le royaume des cieux? Amen. Trouble. Jésus lui répondit, en vérité, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Maîtrise de tous les secteurs, de
J'ai tout ce que vous avez dit. Mais quand vous doutez de l'avenir, vous avez réellement Dieu. Lorsque vous croyez que vous êtes saint, j'ai doute que vous l'êtes réellement. Mais quand, lorsque vous venez dans sa présence, vous voyez un pécheur, c'est alors que vous êtes en sa présence. Quand vous voyez juste, parfait, vous n'êtes pas dans sa présence. C'est ce qui fait de lui Dieu. Dieu, on ne peut jamais le comprendre. Ses voix sont insondables. Personne ne peut maîtriser Dieu. Personne ne peut comprendre Dieu. Quand tu te réveilles le matin, il te dit que moi j'ai Dieu réellement. J'ai la plénitude à moi. Je doute que Dieu est en moi. Mais chaque fois quand tu te mets à genoux, tu sens un vide. Tu te poses la question est-ce qu'il écoute ma prière? C'est alors qu'il se voit Dieu. Mais quand tu es sûr de toi-même, je doute. Dieu t'accompagne. Moi je doute. Qui peut m'accompagner dans cette prédication? Moi je doute. Parce que l'assurance, parfois, elle est humaine. Et ça a bon moto. Namaye la bon moto. Makanisi a bon moto. Et mon oeil a bon moto. Tout le monde a battu. Dans Makanisi a bon moto. Les royaumes.
Or, scientifiquement, physiquement, l'enfant vit dans l'eau et l'enfant sort avec l'eau. Donc, moi, je nageur. Je suis en train de réfléchir. Réfléchissons. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il y a un liquide. Amniotique. Il y a remarqué que dans 4 églises, il y a un liquide. Je vais traiter ton cas à la fin du culte. Amniotique. Ah, comment on peut m'en casser, hein? L'enfant est là. Moi, là, ça la casse pour moi. Je parle du point de vue physique. L'enfant est là. Moi, la femme, il y a la casse. Avant la naissance de l'enfant, c'est le liquide d'abord qui sort. Il y a pour moi, l'abîme. Et puis après, l'enfant arrive. Mais ici, Jésus, lui dit, ça c'est notre docteur avec une autre dimension, une autre connaissance. Si moi j'étais à sa place, j'allais dire, mais si c'est pas mettre dans la amniotique, nous étions tous là. Et puis on est sorti. Alléluia. Mais dans cette nouvelle dimension, Dieu dit, oui, tu pénètres de tes parents. Mais ici, il ne s'agit pas de cette première naissance. Mais s'il s'agit de la nouvelle naissance, par l'évangile de la parole de Dieu. Ici, la parole, elle est le symbole aussi de l'eau. Amen. Amen. Donc, ici à l'église, lorsque je prêche la parole de Dieu, on reconnaît. On sait que tu es là parce que tu vis. Amen. Amen. Tu as des parents, tu vis normalement. Mais il faut que tu sois engendré par la parole. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, Galélo, écoute-moi. Tu vois toi? Tu es l'émanation de deux personnes. Amen. Amen. L'émanation. Il y a ton père, il y a ta mère. Les deux ont créé Galélo. Suivez-moi très bien. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il peut se faire que, en sortant, tu sors avec l'histoire de ton père. Quelqu'un m'entend? Suis-moi très bien. Il peut se faire. En sortant, tu sors avec l'histoire de ton père. Là où il avait joué, c'est là où toi aussi tu vas. En sortant, il peut se faire que tu sors avec l'histoire de ta mère. Tous les échecs de ta mère sont tes échecs. Mais tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Tu as hérité une mauvaise histoire de tes parents. Maintenant, Christ a besoin que toi là, au lieu que tu sois l'émanation de deux personnes qui ont une mauvaise histoire, mais que tu sois l'émanation de deux personnes qui ont une très bonne histoire. L'eau, la parole, et le Saint-Esprit, les deux, ça s'appelle ma réussite. Ça s'appelle ma colonga. Docteur, imagine, en sortant, tu sors avec l'histoire de Jésus. Chupa. Cigarette. Au commissaire, on a eu de ma cheminée. Son échappement.
Quatrième temps, échappement. Échappement. Quatrième temps, motel. Et puis ma fumeur professionnelle m'a tendu à ça. À cause de la cigarette, vous voyez. La coûte à la calais, pas ça. Papa, fumeur expérimenté à cas. Quand même, mis sous cas. Quand même, il y a un amour et la musique, mais l'amour, il peut mener les mille liens au matin. Il y a un mot. Prière, à ça la petite prière, il y a eu. Quand est-ce que on
L'histoire de ton père. L'histoire de ton père. Obima. Un véritable menteur. Moto l'okuta. Osa ma bana danse. Si la de osa ma mariage. Oto bakate. Lelo. Okoloba. Dozo bata opération Bibi Sabani. Amen.
au fil de temps, les grands sont pas ça aboti. Aïe, pour mettre la destruction à moi. Aïe, ça le binon, on a découvert, moi, on a un amon. Yo, casse pour moi, c'est un dame. Moi, on a un amon. Par contre, c'est là, osé. Toi, tu étais là. Toi, tu étais là. Moukolowana, yo, ça là. Et ça, c'est minable de ma conseil là. Je suis là, 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 je suis. Quand vous regardez la dame, elle a des responsabilités. Mais elle est en train de menacer de tuer la femme de son mari. Lorsque vous épousez une femme qui a des enfants, vous êtes conscient. Sachez que ces enfants deviennent de droit. Des enfants. Des droits, ces enfants deviennent. Vice versa. Bon, on va faire mon cosmos. Bon, tika de kouta. Il y a besoin de tika de kouta avant les mariages. Babina Zoki Sabaga. Amen. Dis-moi, Amen, pour que je continue. Amen. Dis à ton voisin que opération Bibi Sabana. Après, opération Bibi Sabana. Bibi Sabana. A tous, à vos 12, il y a qu'à sa liste. Tout le monde. Et tous divinis. Pour ça, on va s'appeler à thé. Monsanto. 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 Mais 12 enfants. Bana, ça, il y a Liban. Liban. Baza Liban. Awa, Drumel, professionnel. Donc, on va 12 passages. Liban, d'accord, on va suivre ça le 13e. Mais plus grave encore. Moi, non, maman. Donc, pour. On va d'abord écouter. Amen. Et c'est quelqu'un maintenant. Amen. Là, j'étais en train de parler de l'histoire. Si un homme n'aimait pas de nous, il ne verra pas le royaume des cieux. Si on parle aussi de l'eau et de l'esprit, il a été troublé. Il a été troublé. En écoutant toutes ces paroles. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je refuse l'histoire. Je refuse l'histoire de ma famille. Je refuse. Moi, je refuse. L'histoire. Vous savez quoi, ma famille? Ma famille. Connaissez l'histoire de ma famille? La haine, la rancœur. Je refuse. La pauvreté, je refuse. La misère, je refuse. Amen. Je refuse l'histoire des membres de ma famille. C'est que pour le bâtiment aussi, je refuse. C'est une confession. La Bible dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la race. Quand tu déclares, il y a un pouvoir qui est dégagé. Moi, je refuse. Si mon père avait échoué, c'est son histoire. Si ma mère avait échoué, c'est son histoire. Mais moi, au moins, je sais que j'ai été engendré par la parole. Je suis né d'eau et de l'esprit. Hérité l'histoire du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la connaissance, mais c'est par son esprit. C'est-à-dire l'histoire du Saint-Esprit. C'est la réussite. Rien ne peut résister à l'esprit de Dieu. Rien. La parole, c'est la vie. Et on me dit que la vie, pourquoi Christ a transcendé la mort? Dis-moi, Amen. Est-ce qu'on parle de la mettre en forme? Gloire au Seigneur.
continue. Na kobi. Pour terminer. Pour la consigne ça. Ce qui est né de la chair. On est pour terminer. Est chair. Exact. Ce qui est né des parents physiques. On est pour terminer. Ma pote y a bon zoto. Et physique. Exact. Bon zoto. Et physique. Exact. Bon zoto. Si tu es physique. Tu es un homme mortel. Mais si tu es esprit, tu deviens immortel. Parce qu'après la mort, arrive la vie spirituelle. L'éternité. Amen. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et ceux qui n'ont pas de maman. Le vent souffle. Mon père est dit que où il veut. Et si qu'on y a l'île. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas. Parce qu'il habite. D'où il vient. A où tu wapi. Ni où il va. A son qu'il y a wapi. Il en est ainsi. Et ça dit le lendemain encore. De quiconque. J'aimais de l'esprit. A quoi t'as mis la moulure. J'ai beaucoup aimé cette promesse. Mais c'est plus l'île la cao. C'est une promesse. Et c'est la cao. Ou est-ce que quelqu'un m'attend. C'est une promesse. Et ça y est la cao. Dis à ton voisin que c'est une promesse. Il y a du sang de ma pérou. Et c'est la cao. C'est une promesse. Et ça y est la cao. Donc ici. Ah ouais. Si tu nais de nouveau, tu es comparable au vent. On entend tout simplement les bruits du vent. Mais on ne sait d'où il vient, d'où il va. Ceci est comparable aux gens qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire, je deviens le vent. Qui peut stopper le vent? Qui peut arrêter le vent? Qui peut combattre le vent? Qui peut vaincre? Qui veut vaincre le vent? Personne ne veut vaincre le vent. Le vent est partout. Et c'est Sikanios. Le vent mon bébé, est partout. Le vent mon bébé, peut monter. Arukomata. Le vent mon bébé, peut se déplacer. Arukotamola. Le vent mon bébé, peut avancer. Ceci a un vent. Ici, mon bébé, mon avance. Va dans une bonne direction. Sois élevé. Tu es un vent. Oh, mon pépé. Tu es un vent. Oh, mon pépé. Cet homme a dit des choses. Mon temps, là, qui ont troublé des grandes personnes. Hey, c'est qui m'a qui ont troublé la sagesse humaine. Et que c'est qui il a dit, alors, voici les signes dit, qui accompagneront hey, ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chassent tous les démons. Et la famille de ma mère. Au nom de Jésus. Et chasse tous les démons. Et la famille de mon père. Au nom de Jésus. Et chasse ma misère. Et la famille de mon père. Ta misère. Et la famille de ma mère. La mauvaise expérience. Et la famille de ma mère. Les maladies incurables. Les maladies héréditaires. Et les chasseurs. Au nom de ceci est l'héritage de son enfant de Dieu. Ceci est l'héritage de ton fils. Je les chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à faire des déclarations. Lève-toi.